Yo tout le monde, c'est Captain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc sur Dofus, donc pour la présentation de mon stuff, de mon EK RO, level 125. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que mes vidéos Dofus marchent énormément. Donc c'est parti donc pour la présentation de mon EK. Alors pour la présentation de mon EK, il faut savoir que c'est un compte que je ne joue pas du tout. Donc il y a encore les anciens trophées de avant la mise à jour où... Donc il n'y a pas les nouveaux trophées ou... Pour les stuff inférieurs à 2 de 7. Donc je vous ferai un Dofus Book où il y a exactement les mêmes statistiques que de ma classe ici, mais avec les nouveaux trophées. Enfin nouveau, ça fait déjà pas mal de temps. Donc il y a pour commencer la coiffe Bimbo Boule avec un jet pas mal intéressant en vitalité, bien réparti entre la chance et la J, pas mal de puissance et d'initiative. Un Mourtaud pour ce qui est des dommages OR, donc 196 de vita, 47 chance, 57 agi, 24 de sagesse, donc un jet plutôt correct. Le Gélano, donc PAPM. Donc il faut savoir qu'avec les nouveaux trophées, donc sur mon Dofus Book, je suis à 11 PA et toujours 6 PM. Et donc voilà, donc ne vous en faites pas si vous voyez que là je suis qu'à 10 PA. Donc puissante 4 Fulgu, donc j'ai maxé. Donc 140 vita, 40 sagesse, etc. Une feuille de printemps avec un super jet vitalité bien réparti entre la chance et la J. Le PA bien sûr, les dommages et les résistances. Une bague mouteuse, donc 143 vita, 59 chance, donc vraiment pour la chance. Un peu de sagesse, des coups critiques. Une ceinture Sula, donc pas mal en vita quand même, plutôt répartie sur l'agilité, parce que la bague mouteuse s'occupe de la chance juste avant. Un peu de résistance. Les sangs d'altitude, donc là vraiment avec un super jet en vitalité, pas mal réparti entre la chance et la J, pas mal de sagesse, un PM, donc je suis vraiment content de ces bottes-là. Donc après, j'ai pour les trophées, ne vous y fiez pas, je vous montrerai un Dofus Book avec les nouveaux trophées. Donc les joueurs, l'acrobate, le voyageur, l'équilibriste et l'acrobate mineur. Donc c'est vrai que je joue pas sur ce compte-là, donc je peux pas vous montrer. Donc là j'atteins les 2100 points de vie, mais avec donc je vous montrerai sur d'autres Facebook avec les nouveaux trophées, j'atteins les 2300 il me semble. Je suis en 10-6, donc 11-6 avec les nouveaux. Donc je suis pas pare-chaud en sagesse, donc on peut facilement atteindre les 200 de sagesse. Je suis pare-chaud en chance et en agi. Donc 550 de chance, 640 d'agi. Et donc voilà, donc pour les détails plus approfondis, 1600 d'ini, 200 de prospect, 70 de puissance, puis d'hérésie que je vous montrerai en combat. Allez, soyons fous. Hop. Donc déjà, je vais taper un tour où je vais faire juste une roulette pour vous montrer. Sans rien. Donc sans rien, je fais 281, 250, 295. Donc ça reste correct pour un tour sans boost. Donc maintenant, je vais me booster. Hop, perception, roue de la fortune. Et on va faire deux petits bluffs. Donc je monte plus facilement à 350. Donc les jets sont à peu près similaires, que ce soit entre l'agi ou l'air. Donc voilà, donc je fais en moyenne entre 350 et 400. Après on peut faire une fellation. Donc 300, 330. Donc je fais souvent du 1000 par tour. Donc on continue, c'est parti. Hop, avec la roulette, 400. Voilà. Donc je vais vous montrer vite fait mes résistances. Donc là je vais pas vous les montrer maintenant parce qu'il y a le moins 15% de la roue. Toujours activé. Donc je vais taper avec d'autres sorts pour vous montrer un peu. Donc réflexe 260, mais avec l'érosion c'est plutôt pas mal. Là un récop un seul tour. J'ai fait du 500 de dommages. Je vais vous monter une griffe de Syngale.
Donc ça reste à peu près pareil que la récop. Voilà, hop, encore une. Donc en un tour, hop, moins 500 avec la récop. Donc voilà, donc mes résistances pour un level 125, ça reste assez correct. Avec à peu près du 10% de partout. Hop, on est reparti pour le Rox. Donc j'aimerais bien trouver une récop à 3 tours pour vous montrer. Mais je tombe que sur des récops à 2 tours ou à 1 tour. Donc c'est pas grave, donc vous voyez que hop, je peux faire vraiment mal quand même pour un level 125. Donc voilà. Donc maintenant, donc je vais vous montrer le Dofusbook comment ça rend. Donc c'est le stuff, donc exactement les mêmes pare-chocs, sauf avec un nomade pour le PM et la puissance, un remueur pour le PA 150 de Vita, un cascadeur, un chanceux et un vigoureux. Donc si je vais un peu trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et donc j'ai laissé l'acrobate en attendant de trouver un meilleur. Donc je suis en 11 PA, 6 PM. Donc ma Vita atteint. Où est-ce qu'elle est la Vita sur les 2300. Je suis toujours à peu près aux mêmes statistiques. Donc mes statistiques ne changent pas. Mes résistances non plus. Et ma puissance augmente de passe de 70 à 160. Donc ce qui améliore grandement ma puissance. Donc voilà une autre alternative pour ce stuff-là. Donc j'espère que cette vidéo donc sur Dofus, donc pour la présentation de mon stuff, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Ciao tout le monde!